Là, on est sur la Nif, près de Combeau-les-Bains, au pied de la voie SNCF. On a un courant d'à peu près 1,2-1,3 mètres seconde. Donc ça pousse assez fort. Et la mise hors d'eau doit se faire sur une hauteur d'à peu près 1,40 m. Voilà. Donc pour ce faire, on a mis en place des big bags en partie inférieure et Watergate par-dessus. C'est un affouillement que lors des contrôles qui font la SNCF de tout l'ouvrage, ouais. Ils avaient monté un trou sous la fondation. Il y a 3 ans qu'on est venu, il faisait 3 mètres de long. Quand on est revenu l'année dernière, il faisait 6 mètres de long. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a voulu le traiter l'année dernière. Et à cause des orages, l'eau est montée de 1 mètre. Donc d'accord. On n'a rien pu faire, on a tout enlevé notre dispositif. C'est d'accord. Pour ça que là, on avait mis des gabions souples. Pour protéger en fait l'affouillement et pour qu'il évolue pas pendant l'hiver. Pour que le désordre ne s'accentue pas. L'idée là, ça a été de mettre en place des big bags en partie basse. C'est des big bags que vous aviez déjà disponibles. Qu'on avait utilisé lors de la première intervention. Ah oui, donc vous aviez déjà fait une intervention. On avait déjà mis des big bags avec du polyane et on avait vu que même en mettant la 950 mètres cubeurs qu'on a mis pour baisser l'eau, l'eau dedans ne changeait pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui... Pas assez étanche. Si on fait polyane, big bag, ça ne suffit pas. En combien de temps, en fait, on coule et on fait une reprise de fondation? Là, en fait, il est 15h. Le but, c'est on a le béton à 17h. Là, on va mettre les coffrages en place. On va remettre des big bags derrière, en fait, qui vont faire du poids derrière pour éviter que la banche recule. On va mettre des tiges en partie haute. On a le béton à 17h. Donc, aujourd'hui... Il reste quand même un fond d'eau, on n'est pas étanche à 100%, donc ça nous permet de travailler. Du coup, aujourd'hui, on a choisi un béton avec un adjuvant à l'intérieur qui s'appelle un adjuvant colloïde, qui rend le béton plastique et qui, par ses caractéristiques, permet de normalement couler dans l'eau en évitant de mettre de la laitance dans le cours d'eau. Donc on va voir tout à l'heure en coulant, on sait qu'au fond, on est en contact avec l'eau et on va utiliser un béton qui va être un peu immergé au fond et on va voir qu'il n'y aura pas de contamination du cours d'eau. Voilà, que vous protégez aussi avec un polyane, hein, c'est ce que... Un polyane aussi, voilà, qui permet de tenir en tout cas le béton au fond de l'eau le temps qu'il prenne. Les planches, en fait, les banches, au bout, vous retournez, comment vous faites les extrémités? Soit
souvent fait en bois parce qu'on voit que c'est du rocher, donc on va avoir une aspérité irrégulière. Ouais. Donc on doit mettre notre coffrage assez écarté de pouvoir permettre au béton de rentrer. Et au bout, en fait, on fait un coffrage traditionnel. Alors là, maintenant, je vais mettre des petits big bags, des petits tacs de sable. Oui. 1, 2, 3. Ça. Je vais mettre un autre ici grand pour tenir la manche. D'accord, la manche. Après, je bouge celui-là pour passer le polyane en dessous. Ok. Après, un autre écran là-bas. Et après, le petit pour. Et le polyane, il sert à quoi dans ce cas-là? À que la laitance, elle s'enfonce. D'accord, elle va rester sous la toile en elle fait. Elle va rester là, voilà, elle va rester sur le big bag. Elle va rester là et ça va empêcher que la laitance se parte. Cette voie de chemin de fer, elle a été faite, je sais pas, j'imagine, quelques dizaines d'années, si c'est pas plus d'un siècle déjà. Les anciens, ils faisaient comment? Ils n'avaient pas Watergate? Non, avant, je pense qu'il y avait possibilité de dévier, il y avait moins d'environnement, donc on aurait pu dévier le cours d'eau. Là, on voit une île, mais on aurait dévié le cours d'eau de l'autre côté de l'île, on faisait un barrage ici au milieu et on n'avait pas d'eau. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est la bonne solution aussi, hein. C'est l'environnement, c'est les poissons, c'est des zones de frayère et du coup on n'a plus le droit de mettre un engin dans un cours d'eau. Donc aujourd'hui c'est des solutions et des barrages. Et puis il faut dire aussi que là on est en train de réparer 5 mètres et on n'est pas en train de construire toute la voie, la voie ferrée non plus. Si on avait péril vraiment que ça tombait, je pense qu'il y aurait une solution, on met une pelle, on fait un barrage. Bien sûr. Donc ça veut dire que les contraintes, en tout cas environnementales, pour le respect évidemment de l'environnement, elles impliquent, en tout cas elles obligent à mettre en œuvre des techniques nouvelles, différentes, et à travailler au plus près de l'eau.